Oh, et on y rentre à Gouagueule, ça y est. On va pouvoir changer de deck, ça fait plaisir. Alors. Bah, rentre à Gouagueule, on a le druide qu'on avait joué plus tôt. Avec donc Roi Sirpilleur, Azalina, le commissaire pour beaucoup piocher. Et Maraudeur Vargoth. On peut virer commissaire et mettre à la place genre les ultimes. Je suis même pas sûr que ce soit bien. Un deck sérieux SVP. Bah, on fait du wild là, c'est le principe. Mais si on joue un deck sérieux en wild, on va s'ennuyer, hein. Et on va jouer chasseur impair en boucle. Et c'est juste chiant en fait. Mais si tu veux, tu peux aller voir la rediff du rang gnome lépreux où on jouait chasseur impair. C'était sérieux. Allez, on va jouer Sirpilleur. Le truc, c'est que les meilleurs decks, ils n'ont pas changé depuis 6 mois. Hein. Enfin, j'exagère, peut-être depuis 2 mois. Donc, soit on fait la même chose en boucle, soit on joue des trucs un peu nouveaux. Il y a plein de contenu sur YouTube pour voir les choses d'avant en boucle. Hein, si vous voulez. Je vais garder tout ça. La carte qui détruisait toutes les cartes de ton deck à moins de 3 de mana avec Akar. C'est vrai qu'il y avait des choses sympas à faire avec ça. Je m'en souviens qu'on jouait un prêtre Mekaktoun qui était très drôle. À l'époque. Je préfère la version voleur, mais celle-là est bien. Antogwaggle? Attendez, il y a d'autres decks qui peuvent jouer Sirpilleur de manière efficace? Oui, Emmet, c'est ça. Emmet, c'était bien. Avec 2000 d'armure, même si tu mets 100 dégâts par tour, il faut 20 tours pour le tuer. Mais je pense vraiment que c'est ok, hein. Bon, par contre, ça, c'est chiant. Est-ce que je le laisse remplir le board? Les 100 vicis sont exponentiels. Oui, je pense qu'avec Akar, il prend des dégâts de plus en plus élevés et il finit par perdre. Ah, ça n'a pas refait appel, c'est dommage. Bon, je le ferai au tour d'après. Ok, ça va. Ce qui aurait été chiant, c'est la 1-3. J'espère qu'il l'a pas. On suit comment? On échange les decks avec le roi Sirpilleur. Et enfin, en fait, on pioche tout notre deck, puis on échange les decks. Donc, il faut pas piocher le maraudeur. Parce qu'on n'est pas un d'armure près, donc je vais faire dans le sens là.
Est-ce que j'aurais dû faire un clim? Non. Ok, c'est gagné. Stylé. Et on arrive au rang l'Azul. Alors pour l'Azul, décidément on enchaîne les rangs alors qu'on est en diamant.